Ah bah voilà un chouette écran de loading, ça promet. Autant vous le dire tout de suite, ça va pas être terrible Stun GP, donc autant que ça commence par un truc un peu foireux. Marcus trouve quelque chose de drôle à dire sur ce jeu. Ça va être dur mon Pierre, ça va être très très dur. Le jeu c'est un jeu de... Qu'est-ce que je peux vous raconter moi? Meuble, il y a écrit loading. L'idée c'est une course de petites voitures radiocommandées. Regardez, elles ont leur petite... comment on appelle ça? Leur petite antenne sur le toit, sur des circuits complètement délirants, etc. Bah voilà, vous faites des courses sur des circuits absolument fous, ça aurait pu être super bien. Vous allez voir qu'en réalité c'est malheureusement assez poussif, franchement décevant, d'autant plus décevant que c'est l'équipe de Team 17 qui a fait ça. Moi j'étais très fan dans les années 80, 90, c'était les gars qui travaillaient sur Amiga, ST, etc. C'est les papas de Worms par exemple, qui est un jeu vraiment dément. Ils avaient fait un truc que j'adorais qui était Alien Breed, qui était genre Gauntlet mais avec des aliens. Enfin vraiment, ils ont fait que du bon. Chaque fois qu'ils touchaient à quelque chose, quoi, une course de voiture, de la baston, du shoot, n'importe quoi, ils faisaient toujours, je crois que Project X c'était eux aussi, c'était un shoot'em up. Enfin bref. Pour les vieux comme moi qui connaissent, les gars de Team 17, ils ont des mains en or. Dès qu'ils touchent à quelque chose, c'est super. Et là, allez savoir pourquoi, ben c'est raté. Allez, au lieu de bablater, je vais vous le prouver et vous faire voir à quel point c'est raté. C'est vraiment poussif et lent, alors que d'habitude, des petites courses de voitures radio guidées, ça speed quand même. Je pense à Revolt, par exemple, qui est pas si vieux que ça. Alors, on va prendre un joueur. On pourrait jouer à plusieurs, mais bon, on va juste se contenter de ça. Je vais faire exhibition, parce que si on fait une course d'arcade, ça risque d'être assez long. Là au moins on peut choisir le nombre de tours, donc voilà, 3 tours ça sera peut-être bien suffisant je pense. 3 adversaires contrôlés par ordinateur, peut-être en mettre un peu plus. On peut changer de parcours. Bon allez, on va prendre le premier qui vient et puis on verra bien ce qui se passe. Non, pas j'ai écrit pas d'adversaire, c'est pas du tout ce que je voulais. Viens là à toi, comment je bouge ça? Un adversaire, 2 adversaires, 3 adversaires, voilà c'est bon, et courir. Et sur ce circuit là, là on peut essayer un petit peu tous les circuits. On pourrait faire un championnat, mais comme à chaque fois il faut faire 4 tours, c'est super long, il se passe pas grand chose, vous allez voir. Pas de missiles à tirer sur les autres, pas de trucs comme ça. Ça rappelle un peu Roll Cage pour l'ambiance, mais malheureusement c'est moins speed et moins rigolo. Et les temps de chargement sont incroyablement longs pour une course comme ça. Donc voilà, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe, j'ai oublié de vous le dire. Ça existe aussi sur Dreamcast, c'est à peu près la même chose, c'est même tout à fait la même chose. Donc ce sera pas mieux sur Dreamcast. Regardez, pourtant c'est beau, a priori, c'est plutôt beau et plutôt sympathique, mais vous allez voir qu'on se lasse assez vite. Oh, j'ai fait un départ turbo. Peut-être me permettre de devancer mes adversaires. Voilà, je suis déjà second, je crois qu'ils sont 3 les autres, derrière moi. Voilà. Oh, alors c'est vrai que c'est beau, il y a des angles de caméra un peu bizarres, le choix est un peu particulier par moment. Vous avez vu que dès que je saute, la caméra recule. Tenez, regardez, là ça va le faire, la caméra va reculer à 10 km, hop là, pour me permettre d'effectuer une figure, parce qu'on peut faire des acrobaties. Bon, en fait, les acrobaties, ça sert à rien, si ce n'est à se ramasser comme une crêpe, donc je ne le ferai pas, je ne ferai pas d'acrobaties aujourd'hui. Mais on peut tenter de faire des acrobaties sur le circuit, mais c'est pas franchement intéressant ni passionnant. L'autre truc à faire, c'est d'utiliser le turbo pour essayer de rattraper les adversaires, parce que vous voyez que ça se traîne un peu. Donc, je vais utiliser le turbo, ça ne va pas aller beaucoup plus vite. Allons-y. Là, regardez, je suis monté sur le côté, ça me permet de recharger mon turbo. J'aurais pas dû le faire parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, je contrôle plus la voiture jusqu'à ce qu'elle soit sortie de la zone de turbo. Voilà, et là, c'est reparti. Donc, il faut évidemment pas utiliser le turbo dans les virages. Ouf, c'est un peu dangereux. Faire très gaffe parce qu'on risque de se retourner assez rapidement. Vous voyez qu'il y a des virages relevés sur le côté. Voilà, un petit coup de turbo. Il y a des virages relevés sur le côté. Ça sert surtout à retourner la voiture comme une crêpe. Si vous essayez de les prendre, en général, ça se finit assez mal. Allez, un petit coup de turbo en haut du tremplin. Voilà. Ah, j'essaierai bien de faire des figures, mais ça va mal se terminer. Vous voyez comme ça. Vous voyez, voilà le problème. Ah, dès qu'on prend un virage relevé, un peu trop relevé, on perd un peu trop de temps et on risque de se casser la figure. Donc il vaut mieux rester carrément sur le parcours. C'est encore le plus prudent. Oh, 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 oh. Oh, j'ai du mal à tourner. Les petits tremplins, c'est pareil. Ça peut faire des points, mais c'est surtout beaucoup trop de risques pour ma petite carcasse. Bon, je vais pas passer prendre le turbo. Ce coup-ci, vous voyez, je passe au-dessous. Ça me permet de rattraper les autres d'ailleurs, parce que eux ils ont dû faire un petit plein de turbo. On va essayer de les doubler. Allez, turbo. Peut-être par au-dessus, je peux peut-être le doubler par au-dessus si j'ai de la chance. Ouais! Spectaculaire. Là, oui, mais alors là, par contre, là, c'est une grosse erreur. C'est super dur de se rétablir en fait. C'est très mal foutu la gestion des voitures quand elles sont en l'air. On a un mal fou à les rétablir dans le bon sens. Oh là là, ça c'était pas une bonne idée. Tiens, j'ai le droit de rouler là. J'étais un peu surpris.
C'était pas une bonne idée ce que j'ai fait là. Donc voilà, normalement on devrait pouvoir faire des cascades délirantes, mais ça sert à rien. On pourrait faire des trucs dingues, et puis en fait il faut se contenter de rester pépère sur la route, de bien freiner dans les virages pour pas se prendre les virages relevés. Donc ce qui aurait pu être super excitant, super rapide, super plein de trucs, finalement c'est super nul je trouve. On s'ennuie vraiment quoi. En plus je suis quatrième. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre tout de suite un circuit compliqué, j'aurais dû prendre un circuit un peu plus simple. Je me suis en train de me demander ce que je vais vous raconter pendant 20 minutes de level 1 parce que là c'est vraiment... ça va être terrible. Je vais laisser les ralentis, puis vous parlez entre vous, chez vous, tout ça. On va aller faire une autre petite piste. Il y a aussi un autre mode, il n'y a pas que le mode course, il y a le mode cascade. Alors le mode cascade, c'est vraiment minable. Peut-être vous le faire voir, juste pour le principe. Sortons des menus, voilà. Je vais juste vous faire voir le mode cascade, 2 minutes. Allez, ressort, voilà. Histoire de... Voilà, le mode cascadeur. Le but du jeu, c'est de faire des figures en l'air. Mais c'est presque incontrôlable et pas maniable. Alors en même temps, j'ai pas la doc, j'ai pas le truc terminé. Donc je ne sais pas exactement quelles sont les touches, mais j'ai pas trouvé, personne n'a trouvé. Il y a peut-être un moyen de faire des trucs, mais on sait pas vraiment, on sait pas comment rétablir la voiture, c'est assez curieux. Oui, je vous raconte ma vie, j'en profite pendant les loadings. Quand on fait des level 1, pour qu'ils soient à peu près à temps dans votre télé, on les tourne en général, nous, 3 semaines avant. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait le jeu 3 semaines avant sa sortie, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc les éditeurs les envoient parfois, mais pas souvent. Du coup, on se retrouve souvent avec des pré-versions, pas tout à fait terminées, et sans la doc, ce qui explique parfois que... on peut faire des level 1 où on montre pas du tout un aspect du jeu puisque on n'avait pas la doc, on savait pas par exemple qu'on pouvait avoir une épée ou un truc comme ça. Si personne vous prévient, il n'y a aucun moyen de le deviner. Donc des fois, voilà, c'est un peu décevant. Tout ça pour vous expliquer comment ça marche un peu les level 1. Donc voyez, moi j'ai cette espèce de voiture merdique et faut que j'essaye de faire des figures. Voilà, vous voyez, ça me rapporte plus ou moins de points. Mais en fait, les figures, à part des tonneaux et des petits trous sur le côté, il n'y a pas grand chose à faire. Et ce qui est terrible, regardez comment se place la caméra. Elle se place super mal, elle n'est pas devant moi par exemple, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a devant moi. Là par exemple, voilà, là je vois ce qu'il y a devant moi, on est bien d'accord. Mais si je commence à tourner, la caméra ne va pas forcément montrer ce qu'il y a devant moi, donc c'est vraiment pas pratique pour faire des cascades. Par exemple, si je veux monter sur une des rampes qu'il y a là-haut, je ne la vois pas, je ne la vois pas avant de tourner, je la vois qu'au dernier moment. Je vais faire un petit exemple. Vous voyez là par exemple, je n'avais pas vu venir du tout ce truc-là. Donc admettons que je veuille prendre une rampe, donc je vais déjà essayer de monter sur le côté. Vous voyez par exemple la rampe qu'il y a sur le côté là, à chaque fois il me remet dedans. Je ne veux pas aller dedans, voilà, je veux monter sur le côté. Là par exemple sur la droite, je sais qu'il y a une rampe mais je la vois pas. Je tourne et c'est trop tard. Parce que le temps qu'il braque super mal en plus, cet engin, le temps qu'il braque, je n'ai pas réussi à voir. Donc vous voyez, je me doute qu'elle est par là, là j'étais trop en avant. Donc c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Il y aurait une caméra bien placée, ça aurait peut-être pu être faisable. Mais là, vraiment, on peut pas en tirer grand-chose. On se contente de s'écraser comme une crêpe, on va pas dire comme une merde, au fond du... On a le droit de dire des gros mots à level 1. Comme au fond du truc. Donc voilà, aucun intérêt de mode cascade, vraiment. On peut sauvegarder, c'est tout ce qu'on peut faire. Un truc un peu plus sympa, par contre, c'est le mode 2 joueurs, même 4 joueurs, en écran partagé. On peut jouer à plusieurs. Ça, c'est bien. Enfin, ce serait bien si c'était pas si poussif, si lent et si inintéressant, finalement. Donc, bah voilà, je suis méchant, mais en même temps, quand on voit qu'ils vendent ça 350, voire 400 balles, on se dit, c'est pas possible. J'ai pas vu le prix, j'ai pas vérifié. En général, c'est 350 balles. Peut-être, exceptionnellement, ils le vendent à 100 balles. Auquel cas, ça vaut même pas 100 balles, à mon avis. Enfin bon, je sais plus quoi dire, c'est horrible. Il va y avoir des loadings pendant des heures, j'ai rien à vous dire. Ah non, mais je le refais pas, mais j'ai jamais demandé ça. Abandonnez-moi, voilà. Tu sais plus quoi dire, Marcus ? Non, tu veux qu'on parle, mon Pierre ? Ouais, je sais pas... Ça va, ta vie, ton 4x4, tout ça ? Ouais. Il bouffe un peu d'huile. Ouais, il fuit un peu en ce moment ? Ouais, un petit peu, ouais. Ah bah oui, c'est terrible. C'est un petit peu Olivier Onice dans le parking, en fait. Ça glisse de partout, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ben moi j'ai pas encore les. Je viens d'acheter une 106, tiens, tu sais. Donc, c'est vrai? Oui, j'ai acheté une nouvelle 106. Moi une 106. Fois j'ai mangé chez ma cousine une fois, moi. Et ben moi une fois avec mes cousines, on avait dormi dehors dans une tente. C'est vrai, hein, même on avait eu peur parce que c'était la nuit et peut-être il y avait des loups. Ah, super! C'est le dernier level 1 qu'on fait où on n'a rien à dire, hein, c'est promis. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je sais, je vais faire un truc. Regardez, attention. Morning Life, l'émission qui réveille tes voisins. Ça c'est pour l'ingénieur du son, pour lui faire plaisir. Et un petit coucou à nos copains du Morning Live. Enfin nos copains, je dis ça, je les connais pas. Je sais pas si vous regardez le Morning Live sur M6. Moi j'adore cette émission, ils me font beaucoup rire. J'adore Michael Youn, il est complètement fou ce gars-là.
un peu comme moi en fait, vous dit, ce serait bien qu'il vienne faire un level 1, tiens d'ailleurs. Michael Youn, si tu m'entends, viens faire un level 1 avec nous, on sera ravis de t'accueillir sur Game One et je pense qu'on peut, on peut rigoler, il y a de quoi faire. J'adore cette émission, ils font les fous, c'est en direct, donc ils se lâchent complètement, ils font des trucs vraiment de fous, des fois des blagues de CM2. Une fois, Michael Youn, il a baissé le pantalon d'un autre gars comme ça en direct. Et moi, ça me fait mourir de rire, évidemment, c'est de la pauvre blague à deux balles, mais ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, les gars du Morning Live, vous êtes les bienvenus chez nous. Si ça vous dit de venir jouer avec nous, ça me ferait bien plaisir. En plus, vous travaillez que le matin, vous faites des émissions du matin. Que le matin, je dis ça. Il faut déjà se lever et avoir la pêche tous les matins comme ça en direct. C'est un exploit, à mon avis, vraiment. Déjà, moi, j'ai du mal avec les level 1 préenregistrés. Alors en direct, je sais pas s'il y aura la pêche comme eux tous les matins. Bon, je m'excuse, Cédric, notre ingénieur du son, d'avoir hurlé dans le micro et tu t'y attendais pas et je t'avais pas prévenu. C'est normal, je t'avais pas prévenu parce que je savais pas que j'allais faire ça en même temps. C'est comme ça, level 1. Quand on s'ennuie, on fait n'importe quoi. On dit du mal de Sophie Marceau, tout ça. On appelle des gens à venir faire des level 1 avec nous. On passe des messages personnels. Enfin, voilà. Faut dire que le jeu est pas brillant non plus. On s'ennuie vraiment, donc voilà pourquoi. Oh, je me suis fait doubler. Sapristi, saperlipopette. Vite, rattrapons-le, Milou. À peu près aussi passionnant que l'album de Tintin. Allez, viens là, petit bonhomme. Si j'utilisais le turbo, ça irait peut-être un peu plus vite. En plus, je crois que, mine de rien, j'ai repris le même circuit que tout à l'heure. Ouais, c'est le même que tout à l'heure. C'était pas mon préféré. J'ai même pas regardé. Vous voyez, ça trace un peu plus avec le turbo. Le problème, c'est les virages, évidemment. Alors, en bas à droite, c'est la barre de turbo. Évidemment, elle est pas infinie. C'est pour ça qu'il faut faire le plein de temps en temps. Et là, j'ai pris un autre modèle de véhicule. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Il n'a pas tout à fait la même forme que celui de tout à l'heure, mais il se dirige exactement pareil. Donc voilà, ça change pas grand-chose. Quel dommage, qu'est-ce qui leur est arrivé aux gars de Team 17 quand on pense qu'ils ont fait Worms et des trucs aussi bien que ça, aussi géniaux, aussi novateurs, qu'est-ce qui leur arrive? Ont-ils été pourris par l'argent? Est-ce qu'ils ont tous des jacuzzis maintenant, ils ont un peu la flemme de travailler? Est-ce qu'on les a forcés à faire un jeu très très vite sans qu'ils aient le temps de faire ce qu'ils voulaient? Allez savoir. En tout cas, c'est la première fois qu'ils me déçoivent. Du bon travail, mais des étourderies. Il faudra relever le niveau au deuxième semestre, les gars de Team 17. Hein. Sinon, ça ne va pas aller. Vous allez redoubler encore. Ah là, j'avais plus de turbo, j'aurais mieux fait d'en prendre. On le fera peut-être au prochain tour. On va voir ça. Oh là, il n'y a plus de prochain tour. Voilà, c'était le dernier tour. On va changer de circuit, histoire de voir un petit peu. Ça va, vous ennuyez pas trop? Moi, si. C'est horrible, voilà. C'est le problème de faire des level 1 sur des mauvais jeux, c'est qu'on n'a pas grand-chose à vous raconter. Le jeu en lui-même n'est pas palpitant. Mais alors, mais pourquoi faire des level 1 sur des mauvais jeux, Marcus? Me demande-t-on souvent. Eh bien, parce que c'est pour vous éviter de les acheter, les gars. C'est ça l'idée. C'est que les jeux bien, on voit tout de suite qu'ils sont bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est notre côté 50 millions de consommateurs. On essaye de vous empêcher d'acheter des vraies merdes, des trucs qui valent aussi cher que les autres jeux et qui sont 100 fois moins bien. Donc, c'est le cas aujourd'hui avec Stone GP, c'est le cas assez souvent. Je sais que je peux pas m'en empêcher, je le fais aussi dans la vraie vie. L'autre jour, je suis allé dans une boutique, il y avait des petites filles innocentes qui s'apprêtaient à acheter Men in Black. Je sais pas si vous voyez Men in Black sur PC ou PlayStation. Et c'est un jeu de merde, c'est vraiment le truc terrible. Ça reprend le film, mais très très mal, c'est injouable, c'est vraiment nul. Et je leur ai dit, halte là! L'achetez pas les filles, c'est vraiment pas terrible. Il vaut mieux acheter autre chose, achetez-vous Spyro ou un truc bien pour les petites filles comme vous. Mais là, Men in Black, même si vous avez aimé le film, ça vous plaira pas. Donc voilà. Donc faites attention quand vous achetez un truc au supermarché. Je peux être derrière vous. Prenez pas ces yaourts-là, prenez les 0%, vous êtes un peu enveloppés. Maintenant, je vais faire ça, voilà. Bon, en tout cas, Stone GP, hein, vous avez pigé. Ben, ce serait pas une bonne idée de l'acheter. Enfin, sous réserve, puisque c'est toujours mon avis que je donne, en fin de compte. Et ça n'est que mon avis à chaque fois. Peut-être certains vont-ils trouver ce jeu dément, allez savoir. C'est pour ça que je suis toujours prudent, je donne mon avis, je dis bon, c'est de la merde, je fais ma tête de mule, mais il y a sûrement des gens que ça va faire marrer, qui vont trouver ça sympa, beau, rigolo, etc. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. De toute façon, c'est l'idée de Level 1, hein, c'est de vous montrer en temps réel un jeu, comme ça vous pouvez vous faire votre propre opinion vous-même. Vous n'êtes pas obligé de m'obéir, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je dis, lever un bras, baisser la jambe, n'achetez pas ce jeu-là, achetez celui-là, c'est vraiment à vous de voir. De toute façon, les jeux, on sait ce que c'est vraiment une affaire de goût. Certains peuvent adorer des trucs comme Final Fantasy et d'autres non. Encore que j'ai bien aimé le dernier Final Fantasy, pour être tout à fait honnête. Et puis, j'aimais pas les jeux de Formule 1 non plus. Et puis, j'ai fini par aimer les jeux de Formule 1. Comme quoi, tout le monde change. Enfin, ça dépend quel jeu. On en reparlera un autre jour. Bon, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est pas la peine de faire souffrir tout le monde plus longtemps, à commencer par moi. C'était Stone GP sur PlayStation 2 et c'était pas terrible du tout. Voilà, allez, retenez bien ça. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures plus palpitantes. C'est promis. Ciao.